restore your life. Et tu es une maman très généreuse. You have a kind woman, mama. Tu as fait beaucoup de bien. You did good a lot. Voilà. Tu as fait beaucoup de bien. You did good to people a lot. Dieu ne peut pas t'abandonner. God cannot forsake you. Tu as beaucoup aidé des gens. You help people. So les gens, tu les as mis sur beaucoup d'abris. You put them under covering. Mais il faut rien regretter. Never regret. Il y a quelqu'un qui t'a beaucoup déçu. Somebody disappointed you. Tu es découragé. And you are discouraged. Un homme t'a fait du mal, t'a déçu. Did evil to you. Mais il faut enlever ça dans ton cœur. Take it away from your heart. If you take it away, God will visit you. And God will restore you. Tu auras encore une autre vie. You shall have another life. Il y a une bonne vie qui va commencer. A good life will start. À partir du mois de juin. A good life will start from Dieu va te visiter. God will visit you. Take you away. Où est ton mari? Where is your husband? Il est sorti de la maison. Il est bloqué. Ça fait combien de temps? 15 ans qu'il est bloqué. 15 years in back home. De prophétie, il va venir quand? Maintenant. Moi, il parle. Me, I'm talking. Il parle. Hein? I'm talking. Il parle. Shall I talk? Tu sais pourquoi Dieu l'a bloqué là-bas? You know why God blocked him there? Il y a des choses qu'il t'a pas dit. There are things he didn't tell you. Il a commencé une relation là-bas. Start a relationship there. Tu sais ça, non? Do you know that? Une femme. A woman. Une femme comme ça. You like that. Je vais prier. I will pray. Non, il y a quelque chose qui te dit ça trop te fait mal. The thing is, I tell you to pain you. Maman, retourne-toi, il va voir quelque chose. Go, turn back. Reviens. Come back. Faut bénir Dieu. Bless the Lord. Il y a quelques années en arrière, tu étais malade. Yeah, back. Malade. Where sick. Où tu as failli passer. You almost died. Dieu va te visiter. God will visit you. En fait, cette femme en réalité. Is that woman in reality? Où ton mari est parti? Where your husband is? Elle a fait des choses. She did things. Contre toi. Against you. Tu comprends? Amen. Parce que ton mari quand il partait. You went your husband. We have your pictures. Elle a pris les photos. She took the picture. Elle allait quelque part. She went somewhere. Mais celui qui a fait la cérémonie. The one who did the pourquoi il parle de cérémonie? When talk about ceremony. C'est céleste. You are céleste. Ton mari quand il est parti là-bas, il allait à l'église céleste. Do you know that he went to Celeste Christian? Il va te dire où il est parti. Moi, c'est prophète. D'accord. Il allait à l'église céleste. Tu comprends? Je peux un banco 2. Ça te dit quelque chose? Tu ne connais pas. Je peux un retirer, mais je peux un banco 2. C'est une église céleste là-bas. Il went there. Quand il est parti, la femme avait ta photo. A woman were having a picture. Derrière la photo. Behind the picture. Ils ont écrit derrière. They wrote on it. Ils ont pris la photo, ils ont mis dans bouteille. They took it in bottle. Je ne sais pas, je vois un nom écrit Zagadou. Ça te dit quelque chose? Zagadou. Oui, c'est qui? C'est lui. C'est son nom. Amen. Ok. Yes, Zagadou. Je ne sais pas. I don't know. Constance, c'est qui? Constance is c'est who? C'est toi ton prénom. Is that okay. Your name? Donc les deux, those les names. Deux noms. The two names. She put in a bottle. Elle a closed it. Des bougies. We put candle. You? Vous devez pas vous mettre ensemble. Should not get be together. Il est bloqué. He's blocked. Mais il a essayé de venir, ça n'a jamais marché. He tried to come, it didn't work. Si c'est faux, vous me dites c'est faux. If he's lying, you say voilà. It's true. Il va prophétiser. I'll prophesy. Okay. Yes. Il va venir. He will come. Il va concentrer bien. Il va te donner où tu peux faire. I will tell you what to do. Il va prendre la période de septembre à octobre. September and October. C'est une période propice pour lui. Et après cet moment, if you do it, c'est bon. It will work. Dieu va restaurer. It tu will, vas venir, tu vas mettre un garçon au monde. You give birth to it. Puis ça va marcher. It will work. Dieu va faire des miracles. Amen. Si, si. Dans tes rêves, tu vois les enfants. You, in your dream, you see children. Donc, ça va coller. It will happen. J'ai vu. Comme miracle. Believe in miracle. Est-ce que dans la Bible, il y a âge pour faire enfant? Il n'est pas bon. Is he age? There is no age to do to give birth. Miracle. God does miracle. Tu fais des prodiges. Touche. Tac. Restore. Ta maman elle a des visions claires. She has a clean vision. Il y a un don de vision Dieu t'a donné. A gift of vision God gives. Si on canalise ça, if we make it. Les gens ne pourront pas t'arrêter. People will not be able to stop. Ils vont dire tu allais faire la magie. They said you are doing magician. Tu as donné des révélations très claires. Il y a un don de vision que tu as. A gift of vision. Tu pressens les choses et puis ça arrive. You feel things that happen. Tu aimes beaucoup et toi. God donc Marie si tu avais écouté ce qui est arrivé, ça n'allait pas arriver parce que Dieu t'avait montré. God showed it to you. On acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Non, on va aller d'abord 1 Samuel, le chapitre 1. Oui, d'abord. 1 Samuel, chapitre 1, pour que les gens puissent comprendre. Oui.
On peut aller. Allons-y. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sopim. Écoutez bien. De la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Lihu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Touche quelqu'un, il faut lui dire jusqu'à quand resteras-tu dans l'ivresse? Allons-y. Fais passer ton vin. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Oui. Je suis une femme qui souffre. Continue. En son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Wow. Elle reprit la parole et dit. Élie reprit la parole et dit. Continue. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Exauce la prière que tu lui as adressée. Continue. Elle dit. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Lis au 1 Samuel chapitre 2, rapidement, on finit. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Amen. Man of
God. Aujourd'hui, je vais parler du sacrifice. Today I want to talk about the sacrifice. Dans la maison du Seigneur. In the house of the Lord. Dis à quelqu'un, sois un sacrifice vivant. Be a sacrifice, a living sacrifice in the dans house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. In the Seigneur. House of the Lord. La Bible parle d'une femme. The Bible talk about a woman. Et son nom c'est Anne. Her name is Anna. Et la Bible déclare que Anne Anna avait un homme dans sa vie. She had a man in her life. Il s'appelait Elkanah. They call him Elkanah. La Bible dit Elkanah craignait Dieu. Fear the Lord. Elkanah aimait Dieu. Love the Lord. Mais la Bible dit Elkanah avait deux femmes. She was having two wives. Donc les femmes d'Elkanah. The women of Elkanah. Il y avait Anne et qui? There were Anna Pelina. And Penina. Et vous allez constater que you know that dans la maison, in the house, Dieu a commencé à bénir. God began to bless. Qui en premier? Who first? Dieu a commencé à bénir qui? Pelina. Pelina. La Bible dit que Pelina a commencé à donner des enfants she, à Elkanah. She gave children to Elkanah. Anne qui craignait Dieu. Mia, Anna, who feared elle the n'avait pas d'enfants. She was childless. Pendant combien d'années? How many years? La Bible dit chaque année. Every year. Anne partait à Shiloh. She go to Shiloh. Pour aller donner un sacrifice à Dieu. To give sacrifice to the Lord. Anne partait à Shiloh. Anna go to Shiloh. Pour aller adorer le Seigneur. To worship the Lord. Anne partait à Shiloh, she go to Shiloh pour aller implorer la grâce call de Dieu. Upon the Lord, the grace la of the Bible Lord. Dit, the Bible says, celle qui ne partait pas à Shiloh, the one who not go to Shiloh, elle était une femme féconde. She was a fruitful woman. Elle qui partait pas à Shiloh, the one who not go to Shiloh, Dieu avait béni ses entrailles. God bless her womb. Dieu lui avait donné des enfants. God gave her children. Ce n'est pas un seul enfant. No one children. Mais la Bible dit, the Bible says, Pelina, Pelina a donné des enfants. Gave birth à qui? To children. À Elkanah, to Elkanah, son mari. The husband. Et la Bible dit que Anne était dans la maison. Anna was in the house. À chaque fois, elle était en train de pleurer any Dieu. Time she was crying, et elle pleurait la grâce de Dieu. Calling the grace elle of the pleurait Lord. Sa faveur. Calling the favor. Elle disait à Dieu ceci. She said, Seigneur, Lord, donne-moi un enfant. Give me a child. Seigneur, Lord, donne-moi un enfant. Give me a child. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell c'est you. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur. Not because you accepted the Lord. Que forcément Dieu doit te bénir. That God want to bless you. C'est pas parce que tu pries Dieu. Not because you pray to the Lord. Que Dieu doit t'élever. God want to raise you mais up. Mais c'est les actes que tu poses dans la maison in de the Dieu. The action of the house c'est of the Lord. C'est ce qui produit le miracle dans you ta vie. Produce the miracle in the house of the Lord. Peut-être que tu ne m'as pas compris. The miracle in your life. Adorer Dieu. Worshiping the Lord. Ne produit pas la bénédiction. That bring blessing. Adorer Dieu. Worshiping the Lord. Ne produit pas l'élévation. Doesn't bring up, le fait que nous adorons Dieu, the fact you bless c'est une reconnaissance. Is a gratefulness. Nous sommes obligés we are obliged d'adorer Dieu. To worship the Lord. C'est une obligation. It's an obligation. Qui n'est pas négociable. You cannot negotiate. Nous adorons Dieu we worship the Lord. Parce que Dieu est notre créateur. Because he is our creator. Nous adorons Dieu we worship the Lord. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Because he gave us life. Nous adorons Dieu we worship the Lord. Parce que Dieu veille sur nous. Take care of donc us. Ton adoration, your worship. C'est pas ça qui produit le miracle. You know what brought ton miracle. Adoration, your worship. C'est pas ce qui produit la bénédiction. You know what bring me mais ton adoration worship, est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Gratefulness towards the Lord. Il ne faudrait pas que les chrétiens mélangent les choses. Don't mess up, don't c'est pourquoi c'était souvent. That's why some people, ils disent, ah, say, moi je vais à l'église. I go to church, et depuis je ne travaille pas. I don't work. Je suis découragé. I'm discouraged. Mais qui t'a dit on vient à l'église pour avoir un travail? Who told you that we come to church to have a work? Qui t'a dit? Who told you that? Moi je suis chrétien. I'm Christian. Depuis je ne suis pas marié. I'm not married. Mais qui t'a dit à l'église il y a la mairie? Who told you that the Dieu n'est pas le maire. God is not a mayor. On ne vient pas à l'église pour se marier. You don't come to church to get on married. On ne vient pas à l'église pour avoir les papiers. You don't come to church mais quand to nous venons à l'église, when you come to church, nous montons nos reconnaissances vis-à-vis de Dieu parce qu'il nous Lord, a créés. Because he created us. La Bible dit les véritables adorateurs the true worshipper adorons Dieu en esprit worship et en vérité. In spirit and il n'a pas dit les véritables adorateurs auront pour true récompense l'élévation, la prospérité, la grandeur. Non. The gratefulness. La bénédiction dépend de tes actes. Depend of your action. La bénédiction dépend de ce que toi-même tu produis. It depend on what you la Bible produce. Dit c'est l'œuvre de tes mains the work of your qui te hand, bénira. Which will bless ce que you. Tes mains font what your hand do, c'est ce qui produit la bénédiction. It produce miracle. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Don't mess up. Donc moi, je suis à l'église depuis là. Je n'ai pas de logement. I don't have a house. Donc je vais m'asseoir à la maison. I'll sit home. Où je suis découragé. I'm discouraged. Mais est-ce que Dieu donne logement? Is God giving you a house? Est-ce qu'on vient à l'église là? When you come to church? Dieu n'est pas une agence. God is not a agent to. Dieu c'est pas HLM. God is not a HLM. Je parle à quelqu'un. Am I talking to you? Quand on vient à l'église, wake up to church. L'église est un lieu d'adoration. It's a place of worship.
Tu viens adorer Dieu. You come to worship the Lord. Tu viens reconnaître ce que Dieu a fait dans ta you vie. You come to be grateful for what he has done in your life. That's why I come to church. L'église est un lieu d'adoration. It's a place of worship. Mais la Bible dit Anne. Dieu a donné des enfants à Pénina. God gave children to Pénina. Chaque année, yes. Pénina donnait des enfants à son mari. To her children. Mais celles qui craignaient l'Éternel étaient stériles. Were buried. Comment vous voyez ça? How can you see in this way? Quelqu'un me disait un jour. Somebody said. Mais papa, comment tu trouves? How do you find? Quelqu'un qui adore Dieu. Somebody worship the Lord. Et souvent, and sometimes, il meurt par accident. He died by accident. Pourquoi on dit non, quelqu'un l'a tué. Somebody kill him. Est-ce que Dieu peut permettre ça? Can God allow it? Mais la fin de tout homme. The end of everyone. C'est Dieu qui trace. It's God who make it. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu peut mourir par accident. A servant of the Lord can die. Ce n'est pas lui qui trace sa mort. It's not you who make his word death. Quelqu'un peut même aussi tirer sur un serviteur de Dieu. Somebody can shoot the servant of the Lord. He can die. Mais ça ne met pas son appel en cause. But that doesn't bring his c'est calling Dieu qui to trace sa mort. It's God who made the death. J'explique ceci. And explain. Étienne dans la Bible. What Stephen? Comment est-ce qu'il est mort? How did he die? Étienne a été lapidé. He was stoned, Stephen. Vrai ou faux? Men. Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il est mort? John the Baptist, how did he die? Ils ont coupé sa tête. They cut off his head. Et Isaïe. And Isaiah. Regardez comment il est mort. Look at the way Jérémie, comment il est mort? Jeremiah. Même Paul. Even Paul. Avec les chats. With il dit the Dieu, guéris-moi. He said, il dit, ta grâce me suffit. My grace is sufficient to you. Ma grâce que sur toi, là, ça suffit. My grace over your life is sufficient. Donc, quoi? To tell you toi, what? Parce qu'on est chrétien. Not because you are Christian. Non. Nous sommes chrétiens pour aller au ciel. You are Christian to go to heaven. On est chrétien pour être sauvé. You are Christian to be saved. Maintenant, c'est toi. But you. Tu veux avoir tous les biens de ce monde. If you are to have no property of this earth, not to be saved. Tu connais le chemin où tu dois aller. You know the way where you are to go. Je ferme la parenthèse. I la Bible dit ceci. I will blabber say. Anne. Anna. Partez chaque année à Shiloh. Always go to Shiloh every year. Vous savez ceux qui sont un instrument de sacrifice dans la maison de Dieu. Instrument of sacrifice. Ils ne viennent pas, ils ne posent pas des actes. They don't make action. Et pour faire plaisir à eux. To please themselves. Ils ne posent pas des actes. They don't make action. Pour faire plaisir à leur entourage. To please their neighborhood. Mais ils posent des actes. They make action. Pour faire plaisir à l'Éternel. To please the Lord. La Bible dit chaque année. Every year. Elle se levait. She elle partait à Shiloh, to Shiloh pour adorer Dieu. To worship the Lord. C'est pas pour un poste de travail. Not because of a post of que tu n'as pas que ton adoration va changer. Your worship will have to change. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant. Not because you don't have que ton adoration va changer. Your worship will have to change. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un mari. Not because you don't que ton have adoration doit changer. Your worship will have to change. Un véritable adorateur, worship, il demeure ce qu'il est. He ne change pas. He doesn't change. Parce qu'il ne m'a pas béni. Because he didn't bless donc me. Je ne vais plus jeûner. I will not fast je n'irai plus à l'église. I will not go to church je reste chez moi à la maison. I go home. Non. No. Un véritable adorateur. A true worshiper. Il adore Dieu. You worship the Lord. Pour ce que Dieu est pour for lui. For him. Mais il n'adore pas Dieu. Pour ce que Dieu a fait pour lui. For what God has tu adores Dieu. You pour ce qu'il est pour for toi. Who he is for il est ton créateur. Il est ton ange gardien. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui te protège. Il est celui qui te donne la vie. Il est celui qui renouvelle tes forces. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Toi, tu l'adores pour ce qu'il est. For who he is. L'adoration de Anne n'a pas changé. The worship of Anna didn't change. Soyez des sacrifices vivants. He's a living dans sacrifice. La maison de Dieu. In the house of the Lord. Il y a des personnes souvent. There are people sometimes. Ils arrêtent. They stop. Les sacrifices dans la maison de Dieu. The sacrifice in the house je veux of the parler Lord. Des différents sacrifices. Kind of sacrifice. Est-ce que tu sais? Do you know that? Venir à l'heure à l'église. Come on time. C'est un sacrifice. It's a sacrifice. Être fidèle à ton église. Be faithful to your church. C'est un sacrifice. It's a sacrifice. Avoir une responsabilité, have a responsibility dans l'église the church. Et respecter les clauses de la responsabilité. C'est un sacrifice. The condition dans l'église, il y a plusieurs qui refusent d'avoir des postes. Many refuse to have the post. Mais ceux qui occupent un poste dans those l'église, who have a post church, c'est aussi un sacrifice. It's a sacrifice. Car la Bible dit, the Bible says, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. The work donc of the Lord tu fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, c'est aussi un sacrifice. The work of the Lord with all your heart is a sacrifice. Le sacrifice. The sacrifice. C'est pas seulement l'offrande. Not only the offering. Le sacrifice. The sacrifice. C'est pas seulement donner ta dîme. Not only give your tithe. Mais le sacrifice. The sacrifice. Quand tu poses les sacs dans la maison when de Dieu. When you do action in the même house placer les chaises. You take care of c'est the aussi church. Un sacrifice. The sacrifice. Être hôtesse. C'est aussi un sacrifice. Hostess, être sacrifice. Un instrumentiste. Because c'est aussi un sacrifice. Instrumentiste. The sacrifice also. Parce que tu donnes de ton énergie. You give your energy.
Et c'est le sacrifice que tu donnes. Le sacrifice you are doing to the Lord. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Un pasteur chaque année à Shiloh. And I go always. La Bible dit. The Bible says. Elkanah dans sa maison. Elkanah in the house. Pelina sa riva. Pelina in the river. Se moquait de Anne. Laughed at Anna. Mais si c'était de nos jours. If it were this. Non, ma rivale là. My rival. C'est elle. Is there? Qui a? Who? Fait un fétiche. Make a charm. Pour ne pas que je puisse so avoir. So that I can give birth. Un enfant. I will not give birth. Mais regardez. Look at. La conversion, moi je peux dire la dimension, the dimension de la foi que Anne avait. The state of Anna. Anne même a méprisé she despised Pélina qui se moquait d'elle. Pélina were laughing at her. Elle n'a jamais dit que c'est Pélina she never said that qui Pélina s'oppose à son enfantement. Who opposes her to ceux qui sont des sacrifices vivants those who are living dans la maison de Dieu. The house of the Lord. Eux ne choisissent pas eux-mêmes. They don't choose mais c'est Dieu qui choisit pour it's eux. God who choose for them. Ceux qui sont un sacrifice vivant those who are living sacrifice dans la maison de Dieu. The house of the quel Lord. Que soit ce qu'on les fait, ils restent à leur poste. Parce qu'ils ont accepté le poste. Because they accepted pas the par contrainte. Mais ils ont accepté le poste. Parce que Dieu les a convaincus. God convince them. Quand tu es un sacrifice vivant when you are living dans la maison de Dieu, the house of the Lord, tout ce que tu fais, whatever you tu does, le fais par you do, conviction. You do it through conviction. Il y a des actes qu'on ne pose pas pour there faire plaisir à quelqu'un. You don't do it to please people. Quand tu es un sacrifice vivant, when you are living sacrifice, tout ce que tu fais dans la maison de whatever Dieu, you do tu le fais par conviction. You do it through conviction. Parce que la Bible dit ceci. Baba say, tout ce que tu fais par manque de conviction everything est un péché. Do by, without conviction is a sin. Anne partait tout le temps à Shiloh. Always she go to Shiloh. Elle partait tout le temps à Shiloh. She go to Shiloh always. La Bible dit chaque année. Every year. Quand elle part. Where she goes. Elle ne va pas dans le but d'obtenir un résultat. She doesn't go in mais elle va avec l'esprit de la reconnaissance the à spirit, Dieu. With the spirit of being grateful. Quel est l'esprit qui t'amène à l'église? Which spirit bring you to c'est parce church? Que tu as la recherche d'un mari. You go, you are looking for an husband. Il y a des gens même pour des problèmes de poste quittent l'église. Some people even the post, a problem of post in the church. Non, moi, on m'a pas nommé, donc je quitte. They didn't give me a post, so I'm going away. Mais est-ce que les postes à l'église donnent le salut? If the post in the church gives the sacrifice, je vous a salvation, please don't. Sorry. Est-ce qu'un poste à l'église donne le salut? If the post in the church gives a salvation, mais c'est fait l'œuvre de Dieu. Do the work of the Lord. Fait l'œuvre de Dieu. Do the work of the Lord. C'est ce qui donne le salut. Giving salvation. C'est pas les nominations de poste. It's not nomination. Parce qu'on n'a pas nommé. He give you a nomination. Non, on m'a pas nommé tant. But he didn't give donc me a nomination. I leave the church. Comme j'étais ancien responsable. I'm an elder. Comme on m'a déplacé. See the move moi me. Je quitte l'église. I leave the church. Est-ce que c'est ce qui donne le salut? Is he giving a salvation? Non. No. La Bible dit Anne. Anna. Partait chaque année. Every year. À Shiloh. Go to Shiloh. Imagine-toi combien d'années elle est allée. How many times she went there? Elle offre un sacrifice. She gave a sacrifice. Quand elle revient, when she got back, elle est encore stérile. She stayed buried. Elle n'est jamais découragée. She never discouraged. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Dis-moi à ton voisin, quel est l'esprit qui t'amène à l'église? Which spirit bring you to church? Non, pose que touche quelqu'un, touche son voisin. Faut lui dire, what is the spirit? Which spirit bring you to church? Non, touche quelqu'un, faut lui dire, quel est l'esprit qui t'amène? Which spirit? Touche quelqu'un, faut lui dire, quel est l'esprit qui t'amène à l'église? Which spirit bring you to church? Parle à ton voisin, n'aie pas peur, faut lui demander. Fear not. Demande-lui bien. Ask your neighbor. Ah, l'église là, apparemment, les pasteurs là sont propres. The pastor donc, are clean. Moi, mais c'est là-bas, il va aller prier. I want to go mais to est-ce pray que c'est there. Ce qui va te donner le salut? Is he this one going to give you a salvation? Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to somebody. L'esprit qui te conduit à l'église. The spirit will lead you to church. C'est ce qui détermine ta restauration. And you, this one will determine l'esprit qui te conduit à l'église. The spirit will lead you c'est to church. C'est ce qui détermine ta croissance spirituelle. This one will determine your growing, spiritual growing. Il y a des gens qui viennent à l'église en some groupe. People come to church in a group. Ils viennent à l'église en groupe. Come in the group. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you. Ça fait 15 ans que je prêche. 15 years I preach. Je vais dans ma 16e année. I'm going to my 16th mais ce qui m'a marqué, j'ai constaté. What I noticed. Ceux qui viennent souvent à l'église en groupe. Those who come to church in a group. Dès qu'il y a un problème. When there's a problem. Ou l'autre a un problème avec le pasteur. And the other a problem with pastor. Les autres qu'il a emmené. Take other with qu'est-ce qu'ils font? Take. They are going together. Go away. Ce que vous devez retenir, what you know, soyez des sacrifices vivants. If you are living celui qui est sacrifice vivant, if you are living sacrifice, il ne marche pas en groupe. Doesn't work in group. Non. Il a un esprit d'unité. They have a spirit of mais unity. Il ne marche pas en groupe. But doesn't work in group. Non. Nous venons plusieurs à l'église. Many come to church. Nous venons together. En groupe à l'église. We come in group. Mais quand Dieu exauce, God il exauce individuellement. Individually. Quand Dieu restaure, when God restores, il restaure individuellement. He restores individually. Quand Dieu régénère, when God il régénère individuellement. Individually. Quand Dieu établit, when God il établit individuellement. Individually. La foi n'est pas un groupe.
Faith is not in group. Elle est individuelle. It's individual. Nous venons en groupe à l'église. You come to church. Quand le pasteur prêche, when the pastor preach, le message, the message, il est universel. It's universal. Mais la compréhension, but the understanding, elle est individuelle. It's individual. Et l'exaucement est individuel. Le témoignage est individuel. L'exaucement est individuel. Je prie que Dieu t'éloigne des esprits de groupe. Je prie que Dieu t'éloigne ce matin des esprits de groupe qui vont t'éloigner de ta foi, qui vont t'éloigner de ta repentance, qui vont t'éloigner de ta croissance spirituelle. Away from your spiritual growing. Celui qui est un sacrifice vivant, quand il vient à l'église, when he comes to church, il ne marche pas avec tout le monde. Doesn't work with everyone. Il marche avec celui qui est utile, the one who is pour la croissance de sa chrétienté, pour la croissance de sa foi. The one who is useful for your growing of your faith. Celui qui est un sacrifice vivant, if you are living sacrifice, il ne marche pas avec les hypocrites. It doesn't work with hypocrite people. Il ne marche pas avec ceux-là. Those who qui font les calomnies matin, midi, soir, sur l'église. Their money over the church. Celui qui est sacrifice vivant. If you are living sacrifice. Quand tu l'appelles. When you call him. Tu peux te demander, ah, j'étais pas au culte. I will not be serving. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Non, le pasteur a prêché la. The pastor preached. Dès que tu commences les détails, il when, dit c'est ça. The detail. Ok, que Dieu te bénisse. Oh, may God bless you. Bye. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Keep your heart more than everything. Mais ce qu'on ne dit pas. What they don't say. Ce qui est relié au cœur. What bring it with heart. L'entendement. The hearing. What is going to ce que tu entends, what you hear, entre en contact avec ton cœur. Go in contact with your heart. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. There are people you should not work with. Les esprits de groupe. The spirit of group. Dès que ta voisine a problème avec l'autre, when toi, your si neighbor tu te mets dedans, has a problem with the other, you go put yourself inside. Apprenez à être des pompiers dans l'église. Learn to be a fireman. À éteindre le feu. To quench the fire. Que t'allumer quand il y a des problèmes. Light it. Être un sacrifice vivant. Be a living sacrifice. Dans l'église. The church. C'est aussi ça. If this way, one of these. Anne partait chaque année à Shiloh. Anna always go to church. Pelina se moquait d'elle. Pelina go. Était la stérile. The barren one. Ceux qui n'enfantent pas. The one that they give la stérile. The barren one. Ceux qui n'enfantent pas. The one that they ceux qui disent elle est un dieu. The one who says quand tu God. Fais un sacrifice à Dieu. When you have a sacrifice. N'attends rien en retour. Don't expect lui seul sait. Quelle est l'année, quel est le jour, quel est le moment qu'il a prévu pour toi, pour te bénir, pour te lever, pour te restaurer. J'ai fait telle action, le pasteur ne m'a pas dit merci. Merci du pasteur ne te bénira pas. Mais le merci de Dieu, c'est ton élévation. Of God is being raising up. J'ai soutenu l'église. I supported voici the tout church. Ce que j'ai fait. This is what et I have done. Retour, voici ce qu'on and back, this is what they have done to me. La reconnaissance de l'homme est vanité. The reality, the reward of a man is la reconnaissance de l'homme là. The gratefulness of a man. Ça c'est limite. Is limited. Mais quand Dieu est reconnaissant vis-à-vis why de toi. God is grateful to you. Mais qui pourra t'empêcher who de réussir? Who can stop you to succeed? Qui pourra t'empêcher d'évoluer? Who can stop you to breathe? Qui pourra t'empêcher d'aller de l'avant? Who can stop you qui to pourra go t'empêcher forward? De prospérer? Who can stop you qui pourra te limiter dans ta marche? Que l'Éternel te bénisse. May the Lord bless you. Ceux qui sont des sacrifices vivants dans l'église. Those who are living sacrifice in the church. Quand ils posent des actes. They do action. Ils ne veulent même pas entendre un bruit. They don't want to hear a noise. Ils veulent même pas entendre un bruit. They don't want to hear a noise. Le salon que moi j'avais quand j'étais à truc à Pantin. The place where I was. Non, à Blanc-Ménil. In Blanc-Ménil. C'est une dame dans l'église qui dit papa. A woman in the church. Mami, il faut que je mette ton salon. I want to buy all your sofa. I say, d'accord. It's okay. Dimanche, je suis monté sur la chaise. Sunday, I went to a public. À Anier. In Anier. Dès que j'ai voulu parler, qu'elle m'a regardé. Talk, when she look at j'ai me, senti que le message, elle ne veut pas que je parle. She doesn't want me to après, talk about. Après, ma prière dit papa. God. Tout ce que moi je fais là, c'est que whatever I do, it's to be in secret. Ceux qui sont des sacrifices vivants. Those who are living sacrifice. Quand ils posent des actes dans l'église. When they do action in the church. Ils n'attendent rien en retour du pasteur. They are not expecting anything back from the pastor. Ils attendent la reconnaissance du ciel. They are expecting the gratefulness of the Lord. The reward of the Lord. Toi là, je t'ai fait telle action. This one I did this action. Tu m'as même pas appelé pour me dire merci. You didn't call me to say thank you. Merci, c'est la reconnaissance humaine. Is a human mais l'élévation est la reconnaissance divine. And the raising up is non, je n'ai pas entendu ton amen. The je dis, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas entendu ton amen. Your amen. Souvent, most of the time, tu ne dois même pas te fâcher si quelqu'un t'a pas dit merci. Don't le merci aussi, ça dépend aussi de l'éducation. Hein. It depends on the education. Suivez mon regard. Look at him. Oui. Mais il y a des gens, ils ont élevé. Some people were raised brought up. Quand on te dit tiens, faut dire merci. They didn't taught them how to say thank you. Et toi, si tu es fâché, you are angry. Et tu penses que la personne aussi n'est pas gentille. He's not kind. N'est pas reconnaissant. C'est l'éducation la base. The education also.
Quand tu donnes à ton enfant quand il est bébé là. When you give your child to baby. Faut dire, il doit dire merci. You have to say thanks. Qui a dit amen? Say amen. Non, c'est vrai ou c'est faux? Is it not true? Souvent c'est l'éducation. Sometimes it's même le s'il te plaît là. Is it please? Il y a d'autres on les a pas appris ça. We didn't talk to us. Donne-moi la chose. Give me this thing. Et puis là, si, regarde. He's sitting there working on it. Et quand tu le donnes pas, il te attend. You are expecting. You are waiting for. C'est please. Ça ou c'est pas ça? Is it not true? Africa man. Mais Anne partait chaque jour. Anna always à goes Shiloh. To Shiloh. Je sais que son mari lui disait. The husband said. Mais là où tu t'en vas là, mais tu gagnes quoi là-bas? Where are you going to find there? Depuis tu pleures là. Since you are crying. Tu veux un enfant? You want child? Mais moi-même là, je suis plus que les enfants. Me, I'm more than a children. Oublie ça. Forget it. Mais la Bible dit chaque année. Yeah, every day. Partage. Every year. Que rien ne te décroie de l'amour de Nothing Dieu. Que rien ne t'éloigne de la présence de Dieu. Si c'est les bijoux, l'Éternel t'en donnera. Si c'est des maisons, l'Éternel t'en donnera. Si c'est l'élévation, l'Éternel t'en donnera. Que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Sois un sacrifice vivant. Be a living sacrifice. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, tu ne dois pas adorer Dieu. Not because you don't have child, you have to know what you belong. Est-ce que tu sais comment il va te bénir? Do you know how he will bless you? The way he will bless you. Laisse les Péninas se moquer de toi. Allah Penina to laugh at you. Il y a un temps dans votre vie. The time in your life. Quand vous êtes des sacrifices vivants à when Dieu. You are living sacrifice dans to la Lord. Présence de Dieu. The presence of il y a Lord. Un temps où Dieu permet. God allow. Que Pélina se moque de Penina vous. Laugh at you. Depuis elle va à l'église. Elle dit elle est responsable. She says she's qu'est-ce leader. Que Dieu a fait dans sa what vie? God has done in her life. Laisse Pélina parler. Allow Penina mais quand Pélina se réjouit, c'est pointant. Quand Pélina se moque de toi, c'est pointant. Quand Pélina se moque de toi, c'est pour une courte durée. Parce qu'il y a un temps de l'épreuve. Et il y a un temps de la visitation. Je suis venu t'annoncer ce matin. Le temps de ton épreuve est passé. Je parle en tant que prophète. Le temps de ton épreuve est passé. Un nouveau temps, une nouvelle saison commence à s'ouvrir pour vous. Je parle à quelqu'un. Et c'est ce que les enfants de Dieu ne veulent pas accepter. Dieu veut accepter. C'est ça que les enfants de Dieu ne veulent pas accepter. Les enfants de Dieu ne veulent pas accepter ça. Accepter les choses avec Dieu. Il y a un temps où Dieu vous fait passer par des moments difficiles. Qu'on appelle épreuve. Quand on a Dieu dans sa vie. When you are God in your les épreuves trials sont différentes de la souffrance. Are different from suffering. La souffrance, tu n'as rien. Suffering, you have nothing. Mais dans l'épreuve, tu as le minimum. In trial, you have a minimum. Et quand on te regarde, then look at you. À l'extérieur, outside, on te dit tout va bien. They say everything is well. À l'intérieur, but inside, comment tu sais que ça ne va pas? Say you know quand les gens voient tes photos when sur le Facebook, see your picture quand on your Dieu l'a tout, c'est là Dieu l'a béni. You have everything. God has blessed. Pourtant, tu es en train de traverser. You are crossing. Un temps de preuve. A time of mais trial. Mais ce que tu ne sais pas, what you don't know, c'est que ce que ton extérieur présent. What your outlook en fait, present. C'est la gloire à venir. The glory ahead of ce que ton extérieur présent. What your outlook present. C'est la gloire à venir. The glory ahead. L'élévation à venir. The raising up ahead. L'accomplissement à venir. The fulfillment of la prospérité à venir. Je vais parler sur la vie de quelqu'un qui va s'élever me dit amen. Ce que ton présent représente aujourd'hui de bon va s'accomplir dans le physique, dans le spirituel. Laisse les gens parler. Allow people to talk. Que Pélina, when Pélina, tu connais ta relation vis-à-vis de you Dieu. Know your relation with God. Et que Pélina se moque de toi. And Pélina laugh at you. Dis-lui tu peux rire. Say you can laugh. Écoutez. Listen. En toute chose. In everything. Ce n'est pas le commencement qui compte. It's not the beginning where c'est important. La fin. The end of. Laisse les gens sont venus en Europe. Many people can't peut-être aujourd'hui tu es sans papier. You are tu n'as pas de maison. You have no house. Partout où tu dors, les gens se moquent everywhere de toi. You see, les gens te méprisent. Laisse les gens parler. Mais tout ce qu'ils font est en train de te propulser vers ton miracle. Tout ce qu'ils font te propulse vers ton élévation. Tout ce qu'ils disent te propulse vers ton élévation. Oh, c'est pourquoi j'aime Moïse. C'est pourquoi j'aime Moïse. La Bible dit quand il est né, on devait tuer tous les premiers nés en Égypte. La Bible dit on prend l'enfant. Quand on le met sur l'eau, la soeur de l'enfant commence à s'inquiéter. Elle dit, ah, mon petit frère, il va mourir. Qu'est-ce qui va arriver à mon frère? Mais j'ai béni Dieu. Voyez ici les fleuves. La Bible dit, il y avait plusieurs paniers ce jour-là. Mais les autres s'enfonçaient. Mais le panier de l'enfant, quand le vent se lève, ça le pousse.
come, plus ça le pousse. Push him. Il va au bord de l'eau. Go near the mais water. Là où il va, where is il going? A un rendez-vous avec la fille du roi. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses les temps compliqués, toi qui vis un temps, qui vis un temps de souffrance, un temps de sécheresse, tout ce qui t'arrive est en train de te propulser vers ton Canaan, te propulse vers ton élévation. Non, tu ne me crois pas. J'ai dit le panier flottait sur l'eau. Ce qui m'a marqué, quand l'enfant flotte sur l'eau, il n'a pas de nom. It doesn't have name. Je parle à quelqu'un. I'm telling you. Quand la mère le prend, when the mother elle le met sur l'eau. Put on water. L'enfant va sur l'eau. The child went sans extrait de naissance. Without no birth certificate. C'est fort, hein? Powerful. Il va sur l'eau. He went on the et water. Ta mère t'a porté. The mother, mother carry you. Not man. Quand tu nais, when you are born, elle n'a pas le temps de te donner non. Then I have to elle the te prend. To take you. Pour te cacher. To hide elle you. Te met sur to l'eau. Put you on water. L'enfant est exposé. Il n'a pas d'extrait de naissance. No birth certificate. Peut-être que tu as me dit prophète. Maybe prophet, you say. Il n'y avait pas de mairie à l'époque. There are no mayor mais l'extrait de naissance était comme the un bâton. Like a c'est staff. La suite qu'on écrivait they don't le write. Nom de tout le monde. The name of everyone. D'une famille. Or a family. C'est ce que Judas avait comme un bâton que Tamar a récupéré. Et c'est par ce bâton qu'on a reconnu qu'il appartenait à quelle famille. Mais Moïse ce jour-là, son nom n'a même pas été écrit sur le bâton. Il a été exposé sur l'eau. Mais quand la fille de Pharaon le prend, la mère pleurait. Mais elle ne savait pas que l'enfant partait à un rendez-vous. Il y a des chemins souvent tu apprends dans ta vie. Les gens s'inquiètent de toi. Mais n'écoute pas l'entourage. Continue à marcher. Il y a un rendez-vous là-bas qui t'attend. J'ai dit, il y a un rendez-vous qui t'attend. Il dit, il y a un rendez-vous qui t'attend. Il dit à quelqu'un, il y a un rendez-vous qui t'attend. Souvent on s'est dit, le chemin là où Dieu est, souvent on s'est dit, là où Dieu est, il y a la lumière. Mais il y a des chemins où Dieu est aussi, où il y a les ténèbres. Je vais te dire quelque chose. La Bible n'a jamais dit, il y a un jour, il y a un soir. La Bible dit, il y a un soir. Écoute bien ce que je vais te dire. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel que soit ce que tu traverses, mets-toi en ton esprit. Quel que soit ce qui t'arrive, tu vas à une destination de l'accomplissement de la promesse de Dieu qui est sur ta vie, de l'accomplissement de ton élévation, de l'accomplissement de ta percée. Il y a un soir, il y a un matin. Le matin ne commence pas la journée. The morning doesn't le matin commence pendant le soir. It starts by la Bible dit qu'il y a eu un soir the evening, et il y a eu un matin. There were night and there were day. Sans extrait. Without birth certificate. Quand la fille de Pharaon le récupère. When the daughter of Pharaoh took it. L'enfant crie. The child cried. C'est un ennemi. It's an enemy. On pouvait le tuer. But parce que quand elle a vu. When they saw elle a dit lui là. C'est one. L'enfant des Hébreux. The child of the Hebrews. Where she took elle prend une servante pour la took a servant. Tu n'es pas n'importe qui. À cause de la prophétie. Dans le camp des adversaires où tu vas partir. Au lieu de te tuer, tu seras leur ami. J'ai dit, tu seras un ami. J'ai dit, tu seras un ami. Tu feras partie de leur famille. Parce que tu es venu en mission. Tu n'as pas né comme les autres. Mais tu es venu en mission. Quand elle le prend. Where she took elle lui donne le nom que sa mère n'a pas pu lui donner. She name comment elle l'appelle? Elle appelle Moïse. Moses. Mais il y a chacun de vous ici. Among you, tu portes le nom de ton épreuve. You carry the name of your trial. Un temps arrivera. When the time will come, Dieu va changer toutes choses dans God ta vie. God will change everything in your life. Mais accepte. Accept. De passer ces temps-là. To cross that time. Quand tu es sacrifice vivant. When you are living sacrifice. Tu ne comptes pas les années d'épreuve. You don't count the year of trial. Mais tu comptes les années de ta gloire you et de ta réjouissance. Your glory on your rejoicing. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Crois en ton miracle. Believe in your miracle. Crois que Dieu est avec toi. Believe that God is with you. Il y a des chemins que tu empruntes. There are no, faut you pas attendre la vie des autres. Don't expect il y a le choix que tu fais. There are choices tu to n'es make. Pas obligé de consulter tout le monde. You are not obliged to consult là où everyone. Dieu est. Where God is. Même souvent le pasteur s'oppose. Sometimes the pastor can oppose himself. Mais le père de Samson. The father of Samson. Et la mère de Samson. The mother of Samson. Quand Samson a fait son choix là. When Samson make la Bible dit les parents ne voulaient pas. The relative mais ce qui m'a marqué. What that means? Dieu dit ceci. God said. Ses parents ne voulaient pas. The relative doesn't want. Ils ne savaient pas que cela but venait de know Dieu. That we're coming from the Lord. Donc les parents peuvent s'opposer. Parents can be opposed. Et Dieu peut être dedans. But me or God is this side. Donc ne sois pas troublé. Don't be disturbed. Toi qu'est-ce que Dieu t'a dit? What God told you. C'est ce qui compte. This is the most important. C'est ce que Dieu t'a dit. What God told c'est you. Ce qui compte.
It's more important. Est-ce que tu crois en ton miracle? Do you believe in your miracle? Est-ce que tu crois en ton miracle? Do you believe in your miracle? Est-ce que tu crois en ton miracle? Do you believe in your miracle? Anne. Anna. Partait chaque année à Shiloh. Every year she goes. Que rien ne t'arrête. Nothing should stop you. Je n'ai jamais vu un semeur qui se décourage. I never see a sower who discourages. Si il va semer, he had to go to si ça n'a pas produit, it doesn't produce. Il peut dire peut-être ce n'est pas le temps. Say, mais not the mais il attend la semence qui entre en terre. You wait for the quelle que soit la durée of a seed. Il y a un temps où elle pourrit. That matter, it qui part des épreuves. Talk about the trial. Il y a un temps où elle ressort. It will come out. Mais quand elle est sous la terre, when they're under the tout ground, le monde marche là-dessus. Everybody walk parce on qu'on it. Ne sait pas ce qui en they don't know what is les gens marché sur toi. People walk on mais you. Quand ils reviendront, come, derrière, ils te trouveront comme un arbre qui a produit des fruits. Je dis 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 qui a produit des fruits. Maintenant, ce que tu dois savoir, que tu es un sacrifice vivant when you are living sacrifice, dans la maison de Dieu, in the house of the Lord, la Bible dit, the Bible says, Anne est pas à Shiloh. Anna go to Shiloh. Elle offre son sacrifice à Dieu. And gives to, sacrifice pendant to the Lord. Priait, as she were praying. Tellement qu'elle était fatiguée. Since she was elle so tired. Murmurer, he began to. À cause de la douleur. Because of pain. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Look at what the pastor said. Il dit qu'elle est ivre. She was drunk. Il a dit ça ou pas? He said you are not. Ne sois pas étonné. Don't be surprised. Souvent, il y a des actes que tu poses dans l'église. So an action you do le pasteur peut ne pas voir. Mais pastor parce que le pasteur n'est pas Dieu. It's not God. C'est Dieu qui sait tout. It's not God c'est who Dieu knows qui everything. Voit tout. It's God who sees c'est everything. Dieu qui est partout à la fois. It's God is everywhere. Omnipotent. Omnipotent. Omniprésent. Omniprésent. Omniscient. Omniscient. C'est Dieu qui sait tout. It's God who knows everything. Il est partout à la fois. He's everywhere. Il voit tout. He sees everything. Il entend tout. He hears everything. Mais Anne, but Anna, le pasteur lui dit, le, pastor said, le sacrificateur, le priest, Eli la regarde, Eli, et dit toi, he said you, tu es trop ivre, you are drunk. Elle pouvait se fâcher ou pas? She could have get angry. Elle pouvait se décourager ou pas? She could have be discouraged. Mais quand tu es un sacrifice vivant, when you are living sacrifice, tu ne regardes pas ce qu'on te fait. You don't look at what they are tu doing. Tu regardes où tu vas. You look at where regarde you are ton objectif. Look at your focus. Quel que soit ce que l'on te fait, it doesn't matter regarde ton objectif. Look at your focus. T'as un objectif à atteindre. You have a focus. Tu as un objectif à atteindre. You have a focus to reach. Ne t'attends pas sur des futilités. Que rien ne t'arrête dans ta vision. Don't stop. Que rien ne t'arrête dans ton projet. Que rien ne t'arrête dans ce que tu veux faire. Je dis à quelqu'un que rien ne t'arrête. Quelle que soit la médiocrité des gens, quelle que soit la méchanceté, quelles que soient les ingratitudes, continue ton chemin parce que tu as un objectif à atteindre. Anne pouvait se décourager. Anna could be discouraged. Quand tu es un sacrifice vivant, when you are living sacrifice, quel que soit ce qu'on te fait, no matter what they do to you, bless the Lord. Nous autres là, on voulait arrêter de prêcher. As we want to stop to preach, c'était même pas à Paris. It's only not in Paris here. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Hey, que rien ne te trouble. Nothing should disturb you. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Faut toucher ton voisin. Faut dire que rien ne te trouble. Nothing should disturb you. Non, touche quelqu'un. Faut lui dire que rien ne te trouble. Touch somebody. Say nothing should disturb you. Touche quelqu'un. Faut dire rien ne te trouble. Nothing should disturb you. Vous savez le plus souvent pourquoi les gens sont troublés? Do you know why you people are disturbed? C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont en concurrence avec les gens. They think that they are in competition with others. Je parle à quelqu'un. Amen. Souvent les gens sont troublés. People are disturbed. Souvent ils sont complexés. They are complex. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en concurrence avec les gens. They think that they are in competition with people. Tu es en concurrence avec qui? We are in competition. Si ta soeur a acheté maison, if your sister bought house, ça? Don't care. C'est son temps. Is there time? Tu auras aussi ton temps. You have your parce time. Que dans la semaine, les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Matthieu, les jours sont dans la même semaine. Mais les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Quand c'est le temps du lundi, mardi aussi attend. Parce qu'à minuit, ça sera aussi son temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous portez le même nom de famille, mais tu n'es en concurrence avec personne. Parce que les jours de la semaine n'ont pas le même nom. Il y a lundi qui existe, il y a mardi qui existe, il y a mercredi qui existe. Tu n'es en concurrence avec personne. Pourquoi tu te complexes? Pourquoi tu es complexé? Pourquoi? Pourquoi tu cours? Why are you rushing? Tu ne concurrences avec personne. You are not in competition with anybody. C'est ce qui m'a plu chez Anne. What I like with Anna. Quand Pénina faisait les enfants, certainement elle les lavait. Surely she mais Pénina dans sa tête s'est dit elle en concurrence avec elle. She thought she was in competition with Anna. C'est pourquoi elle la mortifiait. That's why she was femme stérile, provoking them. Ton ventre est cimetière. Mais voici moi j'ai beaucoup d'enfants. I have many kids. Oh mais les sacrifices vivants the living sacrifice. Ne font pas des enfants comme ça. But don't give children like that. Il y a deux types de femmes. There are two kind of women. Mathieu, il y a les femmes de destinée. The women of destiny. Et il y a les femmes dénominationnelles. Les femmes dénominationnelles. Des enfants n'importe quoi. Comment? Mais la femme de destinée, elle fait l'enfant pas parce qu'elle a envie, mais elle fait parce que Dieu l'a décidé. Ah, ma kayadasi. Oh, pochete. Rabosi Karabaha.
Rakabayandose. Yes. Rabosi Karabaha. L'Éternel te bénisse. Ça, c'est un message pour Mathieu. Makandosete. Amakayandose. God bless you. L'Éternel t'arrose. L'Éternel t'arrose. God bless you. L'Éternel bénit ta semence. God bless you. Tu n'as concurrence avec un. You are not in competition with anybody. Tu n'es pas en compétition. You are not in competition. Non. Non. C'est pourquoi j'aime une personne dans la Bible. That's why I like somebody qui in the m'a marqué. Who shocked Abraham. Abraham. Attends, Dieu dit Abraham. God said to Abraham. Quitte ta patrie. Leave your country. Et va dans le pays que je te montrerai. Go to the country where I will show you. When he goes. Quand Dieu dit Abraham quitte ta patrie. He said leave your country. Il parle d'Abraham. Abraham, sa femme et ses enfants. And the children. Mais quand Abraham va. When Abraham par l'amour qu'il avait pour son neveu. For the love he had for the nephew. Il prend l'autre qui s'en va. To love. Mais sur le chemin, on the way, il y a eu des histoires. There were problems. Ils sont séparés. They were separated. Ils sont séparés. They were separated. La Bible dit. The Bible says. Abraham. S'arrête là. Stop. Et puis il dit à Lot. He said to Lot. Bon, mon neveu. My nephew. Comme actuellement. Since now. Our shepherds. They are fighting. Et la plaine n'est pas vaste. And the place you know. Ce qu'on va faire. What we'll do. On va se séparer. We are going to separate. Si moi je vais au nord. If I go to north. Toi tu parles au sud. Go to south. Vous savez qui est le premier à choisir? Who was the first to choose? Vous savez qui est le premier à choisir? Who was the first to choose? Lot. En temps normal, c'est un manque de respect. He lack of respect. Ton oncle d'abord. Your uncle first. Doit choisir. Have to choose. Mais Abraham n'était pas complexé parce Abraham que lui n'est pas en concurrence avec quelqu'un. We're not in competition. Il n'est pas en compétition. We're not in competition. Donc il laisse Lot. He allow Lot. Lot a vu la plaine là-bas. He saw the plain over there. Sodom and Gomorrah. Oh le jeune. Mais c'est ce qu'il ne sait pas. What he doesn't know. Les jeunes prophètes. The young prophets. Qui sont pressés pour bâtir. Who are rushing to build. Tu peux avoir, tu peux regarder là-bas. You can see there. Ça peut être beau. It can be mais la mort peut être là-bas. But death can be there. Dans la vie. In life. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Not everything. Retiens ceci. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Not everything shining is golden. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Not everything shining that is golden. Quand l'autre a regardé. When look at there. Il dit moi il m'en va à Sodom et Gomorrah. Sodom et Gomorrah. Mais il a dit que tout était beau. Where everything was green over there. Tout était prêt. Green everything, green pasture. He went there. Il a vu ce qui s'est passé. He saw what happened. Mais Abraham est là. Abraham was there. Il ne choisit pas lui-même. Doesn't kill himself. Lui c'est Dieu maintenant qui choisit. And God chose for him. Parce qu'il marche avec l'autre. When he walk with Lord. Dieu ne parle plus. God doesn't talk anymore. Mais quand il se sépare. When he separated. Dieu lui dit maintenant. God said now. Lève la tête. Look at regarde les étoiles. Look at the stars. Ainsi ta postérité sera. That's your offspring. Récolte la poussière de ce sol. The ground of the dust. Ainsi ta postérité. That's your offspring. Sera comptée. I'll be like that. Maintenant Dieu lui dit. And God said. Prends ce chemin. Là-bas, je te bénirai et je te rendrai grand. Quand les gens courent pour choisir, toi ne cours pas. Parce que c'est Dieu qui va choisir à ta place. Tu n'es pas un enfant sans destinée. Tu es un enfant qui est accompagné par la prophétie. Tu es un enfant qui est accompagné par la prophétie. Je continue mon message. Mathieu, Pélina, elle fait des enfants comme ça. Regarde ce que Anne va dire. C'est ce que j'appelle. This le sacrifice vivant the living dans la maison de Dieu. Regarde ce qu'elle dit. Look at she said. Elle dit à Dieu. Said to God. Seigneur. Lord. Si tu me donnes un enfant. If you give me a child. Il va te servir. He will serve you. Wow. Oh. Elle dit à Dieu. Said to the Lord. Si tu me donnes un enfant. If you give me a child. Moi je vais te le donner. I'll give him back to you. Et il sera quoi? Serviteur. He'll be a servant. Alors Dieu dit. And God said. Quand il se lève. She woke up. De la présence. From the presence of the Lord. Après l'humiliation qu'elle a reçue. After the humiliation. Du sacrificateur. From the priest. Hey, tu peux être sur le bon chemin. You can be on a good way. Et ton pasteur peut te frustrer. And your pastor can frustrate you. Mais celui-là ne t'amène pas à quitter l'église. But I should not lead you to leave the church. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. I'm not talking. La vraie persécution. The true persecution. C'est pas un étranger. It's not a foreigner. C'est celui qui est proche de toi qui te persécute. The one who near you. Je parle à quelqu'un. I'm not talking to someone. Pharaon est à côté de Moïse. Pharaon was near Moses. Mais il a persécuté Moïse. Persécuted Moses. Aaron et Miriam. Aaron et Miriam. Ils ont persécuté Moïse. Parce que Moïse n'a pas atteint son objectif. Que les persécutions ne t'arrêtent pas. Persecution should not stop you. Tu as un objectif à atteindre. You have a focus to reach. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you. Tu sais pourquoi les gens se lèvent contre toi? Do you know why people come against you? Tu sais pourquoi on t'attaque? Do I attack you? Tu peux dire ah mais moi je n'ai rien pourquoi on m'attaque? You say ah mais ils ont vu la prophétie. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu ton futur. Ils ont vu ce que Dieu va faire avec toi. Dans deux ans, dans trois ans. Dans 4 ans, ils ont vu ce que tu vas devenir. Voilà pourquoi Hérode a voulu tuer Jésus. Il n'attaquait pas son présent, mais il attaquait son futur. Mais je vais prophétiser sur toi. Quels que soient tes ennemis qui se lèveront, ils te pousseront à l'accomplissement de ta destinée et de ta prophétie. Souvent quand on est chrétien, ce qui nous tue. Sometimes when you are mais pourquoi c'est moi qui adore Dieu là? Pourquoi ça moi ça? Yeah, worshiping the Lord. Mais ça là, il a qui? But to who is come?
Moi, je bénis Dieu. I bless the Lord. Quand j'ai toutes sortes d'épreuves. When I have any kind of trial. Parce que je sais que Dieu va me visiter. I know God will visit me. Dieu n'élève pas un enfant. God can never raise a child up. Sans épreuve. Without trial. C'est pourquoi d'autres disent, mais ce qui se passe là depuis là, papa, ils vont y dire rien. Papa, ils vont dire quoi? What am I going to say? Moi, j'attends ma bénédiction. I'm waiting for my blessing. Non, mais je vais dire quoi? What am I going to say? Je peux pas passer mon temps sur des futurités. I cannot waste my moi, time. Moi, je me concentre sur mon objectif. Parce que je sais, il y a un jour de gloire qui arrive. Parce que je sais, il y a un jour de bénédiction. On n'a jamais parlé de résurrection dans la vie de Jésus sans passer par la mort. Si le but qui est Dieu est passé par la mort et il a été ressuscité, qui suis-je pour ne pas passer par l'humiliation? Et pour être élevé, tu seras élevé dans ta vie, tu seras béni dans ta vie, tu prospéreras, ta vie sera multipliée, l'Éternel te lèvera, tu seras établi. Vous pensez que quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, vous pensez que Joseph n'avait pas de pieds pour fuir? Il pouvait fuir, mais pourquoi il est resté calme? Lui il dit, tu as béni ma fille. You are blessed. Lui dit, ah, he said, c'est Dieu qui m'a donné rêve. God gave me dream. Donc, si on veut aller me vendre, if you want to sell me, moi je peux faire quoi? What can I do? Je m'assois. I sit there. Le silence de Joseph. The silence of Joseph a démontré. Show that. Pourquoi le rêve de Joseph s'est accompli? Why the dream of si Joseph? S'il avait fui, comment away? Est-ce qu'il allait devenir gouverneur? How can be a governor? Si on l'avait pas mis dans le puits, comment est-ce qu'il allait devenir gouverneur en Égypte? Laisse les gens te mettre dans le puits. Laisse les gens te salir. Laisse les gens, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. On peut mal parler de toi, mais qu'on ne te retrouve pas dans ce qu'on dit. Voilà pourquoi l'Éternel va te justifier. Voilà pourquoi l'Éternel te lèvera. Voilà pourquoi tu seras établi. À partir d'aujourd'hui, je suis venu te donner la réponse. Pourquoi c'est à moi on fait ça? Le pourquoi c'est à toi on fait ça? C'est parce que c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu veut élever. C'est toi que Dieu veut acclamer. C'est toi que Dieu veut louer. C'est toi que Dieu veut célébrer. Voilà pourquoi on te fait ça. Je t'ai donné ta réponse. Donc ne dis plus pourquoi pour te décourager. Le pourquoi cela, c'est parce que c'est toi. C'est toi. It's you. Pelina a fait beaucoup d'enfants. Giving birth to a lot of. Mais Andy, Anna say, si tu me donnes un enfant, if you give me a child, il va te servir. He will serve you. Oh, en ce temps-là, that time, la voix de l'Éternel se faisait rare. So rare. Dieu parlait que au sacrificateur. God, talking only to his mais cette fois-ci, this one, et dit à Dieu, said to the Lord, tu me donnes l'enfant, you give me a child, il va te servir. He will serve c'est you. Là que j'ai dit que then I said, Anne a exaucé la prière de Dieu. Anne answered the prayer. Ce n'est pas God. Dieu qui a exaucé sa prière. Lord, God wants parce que Dieu dans le secret cherchait un prophète. We are looking for a prophet. Et Anne, qu'elle vient dire, when she said, mon enfant, il va te servir. Give me a child, elle exauce automatiquement la pensée de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu dois donner une prière qui va exaucer Dieu. Tu dois commencer à prier. Tu dois faire des promesses qui vont exaucer Dieu. Tu me donnes un enfant. You give me a child. Il va faire quoi? Mais l'autre a fait beaucoup d'enfants. Many children. Donne seulement un. Give one. À Elkana. Elkana. Mais quand lui naît là, when you were born, il n'est pas comme les autres enfants. Well, not like others. Marc Andoria. Aïe, je vais parler. Quelqu'un dit aggrave, j'aggrave. Go further, go. Quelqu'un dit juxtapose, je juxtapose. Quelqu'un dit compose, je compose. Quelqu'un dit explose, j'explose. Qui a parlé, je vais aggraver les choses. Qui a parlé, je vais aggraver. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attachez vos ceintures de sécurité. Parce que l'avion va décoller. Redressez vos sièges. Parce que nous traversons une zone de turbulence. Vous êtes à bord avec le major du bord. Qui a dit amen, je vais atterrir ce matin? Qui a dit amen, j'atterris? Qui a dit amen, j'atterris? Passagers à bord, redressez vos sièges. Nous allons atterrir. Nous sommes à une heure d'atterrissage de l'aéroport accomplissement. Qui a dit amen, j'atterris? La Bible dit, Bible says, quand l'enfant naît, when the child was born, les autres enfants de Pénina, the other children of Pénina, on a parlé d'eux seulement, we talk about them dans only, 1 Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 1. The first chapter. Mais, but, quand Samuel naît, when Samuel was born, lui, il commence à écrire les chapitres. He began to write chapters. Au chapitre 2, on parle de lui. The second one, they talk about chapitre 3, on the parle de lui. One, they talk about him. Chapitre 4, on parle de lui. Talk about him. Quand il naît, when we were born, il n'est pas comme les autres enfants. We're not born like lui, il naît avec une destinée. Born by your destiny. Non, tu ne m'as pas compris. You didn't understand il y a une bénédiction cette année que Dieu va te donner. God will give je you. Ne dis pas 10. J'ai dit une seule. I say one. Mais à cause de cette bénédiction, les rois n'auront pas de problème. Oh, oh, oh. Quand il naît, when il est prophète de roi. Prophet of king. Il y a le prophète de quartier. Prophet of neighbor. Il y a le prophète de commune.
Mais lui, il n'est prophète de roi. C'est-à-dire, si tu as un problème, Marc Andolia, si tu as un problème, il y a un problème. Lui, il est là, il prend seulement son téléphone. Parce que le roi est son fils spirituel. Mais tu as été chassé du palais. Il y a des palais. Voilà pourquoi. That's why. Il y a des prophètes qui ont double onction. They are prophets who are double onction. Ils ont l'onction des sacrificateurs. They have anointing. Ils ont ce qu'on appelle l'onction royale. The royal l'onction royale, ça c'est ceux-là. Those people. Qui sont appelés. They are called. À marcher avec les hommes politiques. To work with political people. Quand tu as l'onction royale. When you have a royal c'est anointing. C'est les hommes politiques qui s'approchent de toi. The politics. Donc celui qui a l'onction royale. You have a royal anointing. À la grâce d'introduire des présidents. You have a anointing to introduce king. Maintenant quand toi tu as problème. When you have a problem. Si lui le roi est son fils. If the king is. Est-ce qu'il va prier pour ça? Is he going to pray? He doesn't pray. Il prend son téléphone. Take a mobile phone. Allô? Allô? Oui le roi. Okay. J'ai un de mes fils qui a un problème. I want my son, you have a problem. Il faut effacer son problème. Je prophétise que tu auras l'onction royale après ce programme. Je dis tu auras une bénédiction royale. Tu auras une élévation royale. Tu auras une prospérité royale. L'Éternel te bénira. The Lord shall bless you. J'ai dit dans 6 mois, dans 1 an, les gens ne vont plus te reconnaître. J'ai dit tu seras la promesse de Dieu. Tu seras ce que Dieu a dit. Tu rentreras dans le palais, les rois se prosterneront devant toi. Les princes se mettront à genoux parce que l'Éternel va te lever. Elle donne un enfant qui est prophète. He gave a child to birth to a child who is prophet. Prophet of king. Amen. Amen. C'est comme Élisée. Like Elisha. Il a dit à la femme tsunami. Veux-tu qu'on parle au roi? Do you want ou au chef de l'armée? Parce que lui, Elisha. Si c'est un problème, if you have a problem, king, il prie même pas Dieu. He doesn't pray. Allons chez le roi. Then go to the king. He will solve your problem. Amen. Amen. C'est comme Esther. Like Esther. Comment elle a fait que okay. La mort de Mardoché a été annulée? The death of Mardoché was canceled. C'est ce qu'on appelle the connection. Et puis Dieu qui te connaît à des après, for the Lord to connect je déclare que tu rencontres des bonnes connexions. A great connection. Que tes enfants rencontrent des bonnes your connexions. A great connection. Je dis, je prophétise les bonnes connexions. Great connection. Je déclare que dans tes entrailles, que tu enfantes des enfants qui seront ministres. Great connection. Des enfants qui seront présidents. Des enfants qui seront ambassadeurs. Yes. Je déclare que de ton vivant, que tu rencontres les rois. Yes, des grands it. Qui te donneront des yes, marchés dans ce monde. It. Yes, we receive it. La Bible dit que Moïse Moses avait la faveur du roi. We have a favor of the king. La faveur de Dieu. A favor of God. Dans la vie, in life, il te faut 2 faveurs. You need 2 favors. Dans le ciel, in heaven, on a besoin seulement de la faveur de Dieu. You need a favor of God. Parce que Dieu est au ciel. Because God is in heaven. Sur la terre, Bonnet, on a besoin de la faveur de Dieu. You need a favor of God. Et la faveur des hommes. A favor of man. Parce que quand Dieu veut t'élever, when God to raise you, il ne descend pas. He doesn't come down. Il passe par quelqu'un. He passes through people. Et c'est la quelqu'un qui vient, c'est la personne qui vient te bénir. Who come to help you. Donc je prie Dieu. Après, dans ce Lord, mois de mars qui est en train de s'achever. Je prophétise que tu aies la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Dans tous les bureaux où tu vas rentrer, je prophétise que la faveur de Dieu soit sur toi. Je prophétise que la faveur des hommes soit sur toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, je prophétise que les grands de ce monde fléchissent genoux devant toi et témoignent que ton Dieu est vivant. Mais toutes ces choses pourront s'accomplir si tu es un sacrifice. If you are vivant. A living sacrifice. Il y a 2 choses dans votre vie que vous devez avoir. There are 2 things you have to have. Je finis par là. Il faut dire à ton voisin 2 choses. 2 things. Dis à quelqu'un 2 choses. 2 things. Dis à quelqu'un 2 choses. 2 things you have to have. Tu dois compter sur toi. Count on yourself. Et compter sur Dieu. And rely on God. Je parle à quelqu'un. Rely on yourself and rely on God. Tu dois faire quoi? Rely on yourself. Et puis faire quoi? Trust on yourself. And rely on God. Si tu comptes sur Dieu. If you rely on God, c'est ce qu'on appelle la foi. That you call faith. Mais si tu comptes sur toi, if you rely on yourself also, l'usine qui va produire, you will be a factory which will produce des choses physiques, the physical things. Parce que ce que Dieu bénit, what God bless, c'est l'œuvre de tes mains. Is the work of your hands. Ce qui t'amène à faire quelque chose, what make you to do something, c'est parce que tu comptes sur toi. Because you rely on yourself. Et Dieu fait quoi? And God bless it. Amen. Amen. Comptez sur vous. Rely on who? Et comptez sur qui? On yourself, recommande ton son à l'Éternel. Commit yourself to the Lord. Mets en lui ta confiance. And put in him your trust. Et ça. Mets en lui quoi? Your trust. La Bible n'a pas dit mets en lui ta foi. Hein. Your, mets en lui ta. Your trust. Que toi-même là, tu as confiance d'abord. Have trust avant in yourself. Mettre ta confiance en Dieu. Donc, il faut que tu aies une confiance en toi. Have trust crois in yourself. En toi. Believe in yourself. Tu vois ce que Dieu va faire? And you see God ne what sois pas complexé. Don't have a complex. Tu es en concurrence avec personne. You have not in concurrence with anybody. Avec you are not in competition with anybody. Marche. Walk. Fixe ton objectif sur quelque have chose. A focus. Et tu vas atteindre ton objectif. And shall arrive to focus. Dernière chose. Last thing. Dis à quelqu'un 2D. Dis avec moi 2D. To pour ceux qui notent, vous notez. 2D. To D. Il y a les 2 grands D qui doivent être dans votre vie.
Tout dit. Le tout premier dit. Départ de la décision. God decision. Le dernier départ de la détermination. Determination. Dis prophète, explique, j'explique. Say, explain. La décision fixe l'objectif. The decision bring a focus. Si tu es arrivé ici à l'église, if you reach here, c'est parce que tu as décidé. You decided. On est d'accord? Amen. Tu as pris une décision. Take a decision. Ce qui va t'amener à atteindre ton objectif. What will make you to reach a focus? C'est la détermination. A determination. Parce que la décision fixe l'objectif. The decision bring a focus. Mais c'est la détermination qui l'a accompli. Bring it, lead you. Tu as décidé, tu as un objectif. You have a focus. Mais pour accomplir ton objectif, il te faut la détermination. Et, determination. Et rien ne peut résister devant un enfant de Dieu qui a la décision have et la détermination. A determination. Mesdames et messieurs, nous pouvons nous lever. God bless.